Et salut tout le monde, c'est Lampix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les potes, on est sur l'île Noël, on est dans le thème de la période, du coup les gars on va se faire une heure de drop sur l'île Noël, on va essayer de voir un peu comme ça combien de cadeaux on peut choper, et puis après on ouvrira bien sûr tous les cadeaux ensemble, voir si on peut avoir des choses assez cool, et voilà, on va notamment check le nombre de cadeaux qu'on peut avoir parce que les ressources qu'il y aura dedans sont certainement pas ouf. Mais voilà, ça sera vraiment pour voir un petit peu, pour voir un petit peu le, voilà, combien on peut en avoir. Du coup, les gars, Tchal 2 pour le prix 1, je pense pas qu'on va le faire. On va faire le premier combat ensemble. Tranquillou, le temps pour moi de vous présenter bah, mes vœux. Alors, cette vidéo qui va sortir. Moi, je sais pas exactement quand, mais que ça soit en avance ou un petit peu en retard. Mais en tout cas, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez kiffé, surtout profitez bien de vos familles et tout ça. Donc, pour ma part, moi, il y a mes parents qui sont descendus dans le sud. Donc, voilà, je vais essayer de sortir quelques vidéos, mais il n'y en aura pas forcément beaucoup. J'espère que vous comprendrez, hein, voilà, c'est vraiment une fête familiale et voilà, du coup, on va éviter de faire trop les geekos. Mais voilà les potes, en tout cas, bonne fête de fin d'année à vous tous. J'espère que vous allez être gâtés pour Noël. Et puis voilà, en tout cas, une très bonne année 2019. Si pareil, voilà, si je sors pas de vidéo avant. Sinon, bah, je le dirai à chaque vidéo, c'est pas trop grave, vaut mieux trop que pas assez. Donc voilà les potes. Et donc plein de bonnes choses, la bonne santé et tout qui va bien. Et voilà. Du coup les gars pour la vidéo on va se taper des mobs de l'île Noël. On va essayer de voir lesquels sont les plus rentables. Je pense que je vais pas faire les plus petits parce que bah, je gagnerai que des tout petits cadeaux. Je pense que c'est pas le plus worth. Le mieux je pense c'est les mobs un peu moyens, genre niveau 50, ce que je suis en train de faire là. Pour gagner bah, des cadeaux normaux. Et les grands cadeaux, je crois c'est sur des mobs un peu plus HL. Mais là je pense que ça va être un peu plus chiant du coup. Mais on va voir. On va essayer de faire un petit peu de tout. Et voilà, j'espère qu'il y aura quand même pas mal de cadeaux à ouvrir. Il est 19h, voilà, on arrêtera à 20h. Tranquillou. Et voilà. Du coup, premier petit combat. Bon, il reste le crackler qui est au bout. Ça va se finir là quand même, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. En tout cas, les gars, je vous rappelle qu'il y a un concours qui est organisé pour gagner justement 1000 cadeaux de Noël. Donc, c'est pas sur cette vidéo-là, ça sera sur la vidéo FAQ. D'ailleurs, si. Oh bah on drop des petits trucs en plus, on drop pas mal de cadeaux du coup. Voilà, deux cadeaux, un tout petit. Donc c'est sur la vidéo FAQ, si vous l'avez pas vu, bah je vous invite à aller la voir. On répond à vos questions, vous en apprenez un peu plus sur nous. On vous montre aussi un blog qu'on avait fait à l'époque. Voilà, à l'époque des blogs. C'était bien marrant. Et voilà, donc c'est un peu de blabla, vous mettez ça en fond, je pense que ça passe très bien. Il n'y a pas forcément de contenu visuel. Mais voilà, et en plus dans les commentaires, donc vous mettez un petit commentaire sur cette vidéo, donc celle FAQ, enfin, pas celle-là, vous pouvez en mettre aussi sur celle-là, hein. Mais comme ça vous participez au concours pour gagner des cadeaux. Donc voilà, juste je vous rappelle, et voilà, on va se faire ce deuxième petit combat tranquillou, ensemble, voilà, histoire de détente, main propre, on s'emballe, on s'emballeque. Voilà, par exemple, Abominable Yeti, je crois que ça drop un grand cadeau, ça peut être bien, ça peut être bien parce que les grands cadeaux. Vous m'avez dit dans les commentaires que ça peut faire choper des poissons rares. Et si on tombe dessus, bah on est fin content. Et dans le don des 1000 cadeaux, il y aura des cadeaux variés. Il y aura un peu de tout. Il n'y aura pas que des petits cadeaux de brin. Il y aura vraiment de tout. Donc voilà les potes. Allez, on va essayer de se focus un peu. Le but, c'est de faire les combats assez vite. Comme ça, on est tranquille. Là, voilà, les mobs, ceux-là vont assez vite. Tranquillou. Voilà. Tac. Hop. Et puis aussi en ce moment on a beaucoup de boulot aussi, que ce soit moi ou mon frérot. Du coup c'est pour ça aussi que il n'y aura pas moins de vidéos, je pense, mais juste elles seront un poil plus longues à sortir. Ah, j'ai pas mis de coffre comme un con. Mais voilà, c'est normal. Nous dans l'hôtellerie, les périodes de fête, c'est pas des périodes forcément où on se repose. Donc voilà, en plus je fais une transe pour lui faire une coop. C'est pas grave. Enfin voilà. Voilà les potes. Tac. On va passer là normalement.
Les combats ne vont pas être très très longs. Je pense que si j'arrive à trouver des groupes comme ça, c'est sympa avec un gros. Enfin, je vais voir si je dis pas de conneries, mais normalement c'est ça. Et après, je ferai peut-être un petit farming du donjon Noël 2. Parce qu'au final, il va assez vite à farm. Et c'est le même cadeau que pour le 3. Donc, autant faire le 2. Autant faire le 2 qui est. Le 3 est quand même assez long. Donc voilà les potes. Allez, on finit ce petit combat. Ça prend 1 minute. Et là, on drop. Ah non, on drop même pas un cadeau. On drop 2 cadeaux et 3 petits. Bon, donc du coup, on verra. C'est peut-être plus sur les mini-nuits. Les mobs un peu plus HL. Genre peut-être les Sakai aussi. Je crois que ça drop. On va essayer de voir ça. En tout cas, bref, les gars, on va faire des coupures. Tu vois, ça, à mon avis, c'est pas mal comme. Ça aussi, c'est pas mal, je pense. Bref, on va faire des gros groupes comme ça. Voilà, bah celui-là, parfait. Celui-là, on va le faire, les gars. Et bah du coup, je vous filmerai la fin de ce combat-là pour voir un peu ce qu'on chope. Et du coup, les gars, je vous dis bah, à toutes pour la fin de ce combat. Allez, à toutes. Voilà, les potes, on devrait finir le combat, là, qu'il y avait pas mal d'étoiles. Bon, si Canigrou se laisse tuer. Ah, dommage, ça va pas le tuer, ça. Il y a la chance de Cani. Voilà, ça passe, les gars. Alors, let's go. Ah, voilà, là, on drop 2. 2 grands. 1, 2, 4, 5, 6, 7 cadeaux. Et il y a de tout, là. Donc, ça, c'est top, les combats comme ça. Je pense qu'on va essayer d'en trouver un peu plus. Limite, lui, j'ai bien envie de le faire aussi. Bon, on va voir un petit peu, les gars. Du coup, bah voilà, on fait des combats. Et dès que j'en ai des gros, bah, je filme. Allez, à tout. Allez, les potes, un petit combat, là. On est à la demi-heure de farm. Du coup, on va le filmer. Celui-là, il y a juste 2 mini-nuits et quelques petits mobs à côté. Du coup, ça devrait nous rapporter 2 grands cadeaux chacun. Donc ça, c'est cool. Voilà, 2 grands cadeaux. Donc voilà, c'est nickel. Donc les mini-nuits qui donnent des cadeaux, des grands cadeaux du moins. Et il y a aussi les yokai, il me semble. Ils disent pas de conneries. On va essayer de voir. Ouais, non, les Sakai. Les Sakai qui en donnent et les mini-nuits. Pour le moment, c'est ce que j'ai vu. Typiquement, les combats comme ça, j'aime bien avec un mini-nuit. Ça fait que le combat n'est pas trop long. Et ça fait bah, 8 grands cadeaux du coup. Vu que forcément, bah, j'ai les 8 persos. Donc, c'est ce que j'aime bien faire. En plus, ça se fait vite. Voilà, des maps comme ça. C'est tranquillou. Du coup, les gars, il reste allez, 25 minutes de farm là. Donc, on se fait ça tranquille. Et après, ouverture des cadeaux. Donc, à toutes les potes. Allez les potes, c'est la fin de l'heure de farm. Il est tout pile 20h. Du coup voilà, on termine le combat. On termine avec 3 mini-nuits du coup. Donc 3 grands cadeaux logiquement sur chacun des persos. Donc ça c'est plutôt cool. Du coup après je regroupe tout sur mon panda. Et on va s'ouvrir ça ensemble. J'espère qu'on va avoir du lourd dans les cadeaux les potes, ce serait nice. De toute façon on verra bien tout ça. J'essaierai de les ouvrir assez vite, histoire que la vidéo soit pas trop longue. De toute façon, je ferai un récap. Je montrerai l'inventaire à la fin. Vous verrez qu'il n'y a rien sur le panda. Donc comme ça, au moins, ça sera nickel. Donc voilà, on finit le combat. Et c'est bien ça. Voilà. 3 grands cadeaux sur chaque perso, plus 4 petits et un tout petit. Donc c'est nice. Bon, à 6 minutes, un peu plus long celui-là. Mais ils ont quand même presque 2500 HP. Et des résistes partout sauf dans un élément, donc c'est pour ça peut être assez long de temps en temps. Et au passage, c'est XP un petit peu, les gars. Donc si vous êtes niveau 110 ou dans ces eaux-là, ça peut être cool. Genre des combats comme ça, rien vous oblige à tenter, mais franchement, il y a moyen que ce soit rentable. Il y a pas mal d'étoiles quand même sur l'île. Après, faut trouver les bons combats, quoi. Donc bon, là par exemple, il n'y en a pas des ouf, mais il peut y en avoir, et à mon avis, ça peut être rentable si vous avez un peu de chat dans les cadeaux. Donc voilà les potes. Du coup, je regroupe tout sur le panda. Normalement, il n'y a rien en ressources. Voilà, il y a juste ce qu'on a eu tout à l'heure. Et bah, on se fout ça les gars. Donc allez à toutes. Voilà les potes, on est prêt pour ouvrir les cadeaux. Donc voilà, avec la petite musique de Noël en fond. Du coup, on a 169. Tout petit cadeau, 376 petits cadeaux, 141 cadeaux de Noël et 107 grands cadeaux. Donc ça fait à peu près, on va faire un petit calcul rapide, ça fait 200, 300, 600, 700, ouais, à peu près 800 cadeaux, 750, 800 cadeaux les potes, en 1 heure. Franchement c'est pas mal, hein. C'est pas trop mal. Donc on va commencer par les tout petits et on va monter crescendo les gars. Donc là je vais les passer assez vite.
On va juste voir s'il y a un truc qui nous saute aux yeux. Un truc plutôt cool, mais bon, là, les tout petits, je me fais pas trop. Je me fais pas trop à l'idée d'avoir des trucs de ouf. Et après, on verra de toute façon si on a vraiment des pierres de rubis. Oh, c'est naze. Brioche dorée. Et après, on verra de toute façon. Bronze, machin. Un de ouf pour le moment. Poil de Kitsune, c'est pas mal. Bob du paysan, s'en fout. Toffe de sanglier. Cadeau d'Ophiuchien, c'est pas trop mal, je crois. C'est le truc avec les feux d'artifice, ça peut être pas mal. Enfin, ça peut être pas mal. Voilà, un gros boulet qui va bien me casser les couilles. Les petits cadeaux, c'est fini du coup. Bon. Voilà, des bricoles. Rune Rain, c'est pas mal. Une guilde à l'eau pour le fun. Petite perle. Bon, y a rien de ouf, les gars. Ouf, ouf, pour le moment. En fait, on a eu 4 cadeaux d'Ophiuchien. What the fuck? Du coup, on va les ouvrir. Bon, ça fait des effets d'artifice et tout. Donc, l'objectif, ce serait un. Hop, c'est reparti pour les petits, du coup. L'objectif, ce serait avoir un poisson rare, les gars. Pour le moment, le mieux qu'on ait eu, c'est étoffe de. Étoffe de Melou. Voilà, c'est quand même pas mal. On va pas se plaindre de ça, mais bon. Du coup, si on peut avoir un petit poisson rare ou mieux, ce serait cool. Donc là, bon, vous voyez, on rechope des tout petits cadeaux. Ça m'intéresse pas vraiment. Poil de Gamino. Pierre de diamant, c'est pas trop mal. De toute façon, vous les voyez passer après. Tout petit cadeau. Tissu son. Poil de Kistou de Nufeu. Ça, c'est pas mal non plus. Racine de Bulbig. Ça fait mal aux yeux à force, putain. Il y en a encore 200, les gars. Donc, on y va. On change pas de main. Je sens que ça vient. Un arbre, une langue. Gros boulet encore. La viande. Beaucoup de viande. Tac, tac. Ah, poil de Kitsune. Peau de Kitsune. Quoi? Les poils de Kitsune, c'est pas mal en vrai aussi. Ça peut se. Ça peut servir à craft des bricoles. Poil de Minotaur. Ouais. Plume de quoi? Rasa, c'est pas mal non plus. Une rune Rasa, les gars. Aldeskar, nanana. J'ai une petite pause de temps. Poil de Kitsune Nufeu encore. Poil de Minotaur en baguette de pain. Sang de scorbut. Ouais, bon, il y a des bricoles là quand même, les gars. Il y a quand même quelques bricoles. Le mieux, ça va être vraiment les gros, les grands cadeaux, je pense. J'espère vraiment avoir un truc. Pierre d'agate. Ok, voilà, on a fini les petits. Qu'est-ce qu'on a eu de beau? Bon, on a rechopé 35 tout petits, donc ça, bon, c'est un peu de la douille. Sinon, une rune Rasa. Une alumite. Pierre de diamant. Enfin, c'était pas alumite, c'était autre chose. Bon, il y a des bricoles, des poils de Kitsuner. Regardez dans le poil. Combien j'ai eu de poils de Kitsu? Ce qui est quand même pas trop mal. Deux Naqua, trois Nerfs, un Nufeu. Trois Nerfs, un Naqua, un Nae, pardon. Voilà, on a eu des bricoles encore. Maintenant, les cadeaux de Noël normaux. Les gars, c'est parti. Pierre de rubis. Bon, c'est naze, hein, je sais pas pourquoi je dis ça. Une Zulie lame, on s'en fout un peu. Petit cadeau. Parchemin doré, c'est pas trop mal. Cuivre, fer. Ce serait bien des rubis aussi ou des saphirs. Ça permet de. Pas mal de bois aussi, les gars. Pierre de rubis. N'hésitez pas à dire hein, dans les commentaires si j'ai raté quelque chose. Peut-être je le rate et je le verrai pas dans l'inventaire non plus. Mais bon, je pense que logiquement. Cadeau d'Ophusian encore. Sandonico de Rune Rain. Et c'est tout, les potes, pour les cadeaux normaux. Du coup, on va rouvrir ça. Bon, allez, du coup, les autres petits cadeaux, là, je vais pas les rouvrir. Un rubis, on a eu, j'avais pas vu. Une ébonite, un poil de Melouf. Peau de gobelin. Ouais, c'est déjà. Franchement, c'est déjà un peu mieux. Les cadeaux normaux, ils sont quand même un poil mieux. On voit que c'est pas tout le temps les mêmes choses, vu qu'elles se mettent en première, les ressources. Et là, les potes, du coup, c'est grand cadeau. On va voir. On va voir ce qu'on chope. Allez, let's go. Cuivre, cadeau de Noël, épaulette d'Arcblade.
Amulite. Putain, il y a plein de cadeaux de Noël. Corne de bouffe tout. Bouffe cool, pardon. Carré de porc. Carature verte. Bon. Chair de larve. Museau. Farine paysanne. Cadeau de Noël. Bronze. Trèfle à 5 feuilles. Épaulette de Dragolade. Carré de porc quartz. Pop du paysan. Rune Rassa. Ficelle de lin. Feuille de bambouteau. Poil de nuit-feu, pas trop mal. Boîte de feu, gland. Brioche dorée. Allez, il reste pas beaucoup, les gars, là. Ça pue. Ça pue. Baguette de pain. Noix de pécan. Pot de Pandore. Et c'est fini, les gars. Bon, on n'aura pas eu de trucs de ouf, ouf. Je pense, ouais. Non, on a rien eu de folichon. Tout sobre, ça vaut pas des masses. Bon, du coup, l'ouverture un peu bof. Bon, je pensais avoir un truc un peu mieux. On va essayer d'ouvrir ça. Pierre de diamant. Pour être arrivé là encore. Nae. Et voilà, les potes. Bon, bah, rien de flamboyant, quoi. On n'est pas verni, je pense, sur cette ouverture. N'hésitez pas toujours à me dire dans les commentaires ce que vous avez eu, vous, dans vos cadeaux. Nous, voilà, on a eu quand même des petits trucs, hein. C'est pas non plus nul à chier, on n'en est pas là. En item aussi, j'avais pas vu. On a eu quand même quelques items. Bon, on ira concasser tout ça. Et voilà les potes, du coup je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Encore de très bonnes fêtes à vous. Franchement, profitez à fond. Et voilà, à toutes pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le concours sur la vidéo FAQ. Si vous voulez participer, juste vous mettez un petit commentaire, un petit like, un petit abonnement. Et comme ça, nous on est contents. Et j'espère que vous serez piochés au tirage au sort. Il y aura à peu près 1000 cadeaux. Regardez, je commence déjà à garder sur le Sadi. Il y a déjà le compte presque. Enfin, même c'est sûr. Et voilà les potes. Du coup, oubliez pas tout ça. J'avais autre chose à dire. J'ai oublié. Ah oui, le concours, les gars, c'est pour la récompense. Ça sera pour ceux qui sont sur Enual, bien sûr. Hein, vu que je suis sur Enual. Donc voilà les gars. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.